On va dire bonjour aux gens. Il est temps, non? Tu restes là? Hello, hello! J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et oui, parce que chez vous, il sera dimanche à ce moment-là. Non. Et on est exactement à 9 jours du lancement du challenge gratuit Chamboule Girl. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, il sera bien évidemment passé. Et le dimanche 14 après, c'est le lancement du programme officiel Chamboule Girl. Et pareil, ce sera passé quand vous verrez cette vidéo-là. On verra février, mars. Donc on est le 30 mars. Voilà, ça résume un petit peu ma semaine. J'ai eu une semaine... hyper chargée. Je suis allée me forcer à aller bosser au coworking toute la semaine quasiment, sauf jeudi, parce que quand t'es à la maison, t'es toujours repris par des trucs qui sont pas censés arriver, par un chat qui fait que de te perturber. Je suis en colocation, donc il suffit que Lisa ait envie de me parler, de me dire des trucs, ou qu'il faut qu'on parle d'un truc, etc. Rien à voir avec le taf. C'est vrai que quand t'es à la maison, même pour ta machine à laver, ta vaisselle, bref. Du coup, j'ai décidé de faire comme si j'avais un bureau cette semaine à Babel Community sur Montpellier, où c'est devenu ma safe place, puisque j'y suis allée vraiment toute la semaine. Je suis accueillie comme une reine, si je puis dire, parce que franchement, les sourires, les bonjours, vous me direz, ouais, c'est la moindre des choses. Non, c'est pas la moindre des choses. Pardon, mais pour avoir maintenant déménagé un peu partout, c'est pas partout qu'on est aussi bien accueilli dans une ville. Et Montpellier, franchement, j'en suis trop ravie. Ça fait 2 mois et demi que j'y suis, bientôt 3, oulala, le 6 avril. Et j'en suis vraiment ravie. Et là, à Babel, tu leur demandes des trucs, ils te les donnent avec le smile, ils te tutoient, c'est hyper convivial, c'est hyper familial avec les gens. Il y a de la communication, les gens se regardent, les gens discutent entre eux de temps en temps. Et c'est pas malsain, où il n'y a pas de drague, où il n'y a pas de ce genre de choses. Mais plutôt, il y a de la curiosité sur ce que fait l'un, l'autre, ce que font chacun en fait. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Bon, je ne parle pas un mot, il rêvait des Italiens. J'étais avec ma cohort et je lui dis, les Espagnols, machin, machin. Megan, c'est l'Italien. Voilà, donc je ne parle pas ni un mot d'espagnol, ni un mot d'italien. Désolé Gaïa si tu passes par là, et Julio du coup. Pareil, on a besoin d'une salle avec Paula, donc celle avec qui je co-work la majorité du temps. Mercredi pour des tournages YouTube, et on leur a demandé s'ils pouvaient nous prêter, enfin en tout cas nous louer une de leurs salles, parce que derrière c'est un énorme coworking avec plein de salles à louer et tout ça. Et en fait la meuf elle nous a dit, je vous le prête. Ok, waouh, 2 heures, enfin... trop bien. Tu peux ramener du café parce que c'est du café filtre. T'as une petite salle de sport aussi à disposition, donc avec un petit peu des haltères, des poids, kettlebell. T'as un banc d'abdos. J'ai vu que t'avais un rameur, un vélo. Donc c'est des petites bases, mais en fait ça suffit quand t'as pas le temps et que t'as envie de te faire une petite programmation, une petite séance tranquille de renfo. Avec après s'il y a pas lourd, il faut un peu remanier ta séance bien évidemment. Mais si t'as juste envie de bouger, même faire du stretch, du pilates pour respirer un peu dans ta journée, pour arrêter d'être focus. Franchement c'est trop bien, du coup c'est immense. Je conseille à 10 000% Babel Community parce qu'ils sont géniaux. J'ai une équipe cool, voilà. Donc où est-ce qu'on en était? Café important. Ah ouais, tout à l'heure il était beaucoup trop chaud. Ah ça va mieux. Et à savoir que les soirs, genre les vendredis et samedis, t'as aussi des soirées jam où t'avais les musicos qui venaient et qui jouaient en libre, en open en fait. Donc c'est de la scène ouverte où ils font ce qu'ils veulent. Et moi j'aurais bien aimé chanter, mais en fait il y a eu un souci de son, du coup j'ai pas eu le temps. Et puis, j'ai quelqu'un qui a débarqué hier, c'était pas prévu. C'est ma sœur. Océane a débarqué hier soir à 22h35 à Nîmes. Donc voilà, j'ai Miss Tinguette qui a débarqué jusqu'à mardi, donc je suis trop contente. Parce que c'est vrai que avec le lancement et tout ça, j'ai pas le temps de redescendre voir ma famille qui habite dans le Var. J'ai pas le temps d'aller voir mes potes, j'ai pas trop le temps de bouger, j'ai pas trop le temps de prendre vraiment du temps pour moi réellement. Pour vivre, tout simplement. Ou ma chambre, c'est un carnage où elle est rangée, mais il faut absolument que je fasse quand même 2-3 trucs dedans. J'ai un meuble à monter, ça fait 10 jours qu'il est là, voire 15 jours, il est toujours pas monté. La vie d'une entrepreneuse qui fait un lancement de projet, je suis pas la seule, je sais que ça arrive à tout le monde. Je sais que si vous regardez des vidéos YouTube, vous voyez, il y en a plein qui vous montrent des fois leur maison et tout, c'est le souk. Parce que en fait, c'est vrai que c'est réel. Tu vois, quand t'es pas dedans, tu te rends pas compte en fait. Tu te dis, ouais, c'est quand même abusé, c'est limite sale et tout. Sauf qu'en fait, non, tu te rends pas compte. Tu fais tellement d'heures que t'es focus, que tu sais, tu vois tout ce que t'as à faire. T'as ton rétro-planning qui est timé et tu sais que t'as du retard parce qu'il y a tout le temps du retard sur plein de trucs ou des imprévus. Donc je suis un peu dans cette situation. Là, il est déjà très tard, il va être bientôt 6h30. Le but du jeu, c'est que j'aille m'entraîner. Donc je vais vous prendre, bien sûr. Après, le planning, ça va être de se préparer pour aller
à Babel, justement. À Babel, je vais y rester une bonne partie de l'après-midi. Je reviens en fin d'après-midi pour quand même prendre soirée off et être avec ma sœur. Rien d'hyper croustillant, en tout cas pour l'instant. Mais je vais quand même vous embarquer avec moi tout du long. Vous allez voir aussi en toute authenticité que, en fait, un quotidien de coach sportive qui lance un projet professionnel ne peut plus s'entraîner aussi longtemps et autant que ce qu'elle aimerait. Parce que, en fait, on a fait le constat avec des collègues coach qui sont à la salle où je vais m'entraîner maintenant. En fait, c'est un temps qu'on ne se donne plus vraiment comme on l'aimerait, parce que on a tellement de choses à gérer à côté, plus les coachings perso, plus ceux qui sont en présentiel, plus ceux qui ont des programmes à gérer, etc. Donc c'est une autre vie, un autre style de vie où toi tu mets pas ton hygiène de vie de côté, attention, mais tes objectifs en fait sportifs changent un petit peu. En tout cas les miens ont complètement changé. Moi mon but c'est plus de créer de la force autant qu'avant, c'est plus de faire de la compétition de crossfit ni de culturisme comme j'ai pu faire une préparation il y a très longtemps. Là c'est vraiment je vais bouger pour me faire du bien, je vais rester tonique et dynamique et faire des trainings hyper intenses physiquement aussi, parce qu'avec la danse, vu que je suis dans danseuse aussi à côté, j'ai besoin d'être quand même assez tonique. Et aussi je suis assez sédentaire maintenant, ouais, en tout cas en ce moment. Oh, ça fait 18 minutes 25 que je parle. Le vlog il est fini. Allez, on se retrouve juste après pour ma session de sport. Je me pime pour aller à la salle. Et puis quoi? Non, je blague. Juste un peu de crème parce que j'ai la peau... J'ai une peau bizarre. À la fois, j'ai la peau sèche et à la fois, je fais beaucoup de sébum. Je sais pas pourquoi cette peau fait ça. Donc bon, je l'hydrate au moins quand même. Parce que bon, approche de la trentaine. Vous en pensez quoi? Je suis pas genre trop mims. Oh là là, elle a des soucis, votre pote. Voilà. I'm ready. Ça y est, me voilà rentrée. On va aller voir si la petite est réveillée. Elle est debout. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, nickel. Bon, comme un bébé. Du coup, j'ai spoilé, je t'ai filmé pendant que tu dormais. Oh putain. Du coup, ils savent qui c'était qui était arrivé. Bon, allez, on va se préparer tranquillou. Et après, on va se bouger le cul. On est posé, en train de manger en mode Ritano. Je suis en bonne compagnie. Très voiture peinture, tout ça. Toujours. Dis coucou. Oui. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Bon, il s'est tempête. Du coup, on est parti. Océane sort les poubelles. C'est pas beau ça. En vacances, et c'est moi qui sors les poubelles. Je la prends à la maison et c'est elle qui sort les poubelles. C'est pas beau ça. Bon, du coup, direction Montpellier. Comme dirait Bruno Mars, Montpellier, pour aller coworker à Babel Community, comme je le disais tout à l'heure. On dirait que de la voiture de Mimi. Regardez la tête du pare-brise. Je crois que vous voulez pas voir en fait. Et on n'a pas trouvé de station pour laver la voiture, du coup on veut laver avec ça. Bon, j'y vais. Hein. Attends, on est 3 mètres au moins. Il marche pas, t'es assis, c'est bon. Oh. Ah, c'est mieux, non? Bon, les gars, update. On est samedi et je ne le savais pas, mais du coup, maintenant je le saurai.
Babel est fermée. Donc, ça fait que nous avons atterri complètement ailleurs, au plus proche, pour pas perdre trop de temps. Bah, je vais vous montrer. Tadam, nous sommes au Monoprix pour travailler. On fait semblant de travailler, c'est bon. L'heure du goûter. Ça, c'est frangipane, du coup, chez Waffle Factory. Et ça, c'est Nutella chocolat blanc, mama. Et bien évidemment, le petit café qui va bien. On va se péter le bide. Oulala. On a fait un excès. On a fait une petite dérivation. On est où? Chez Jennifer. Montre. Oh oh. Alors, félicitations, durée du live 2h08 les gars sur TikTok. On a fait 2h08 sur TikTok. Incroyable. Et j'ai fait 1h15, à peu près 1h20 sur Instagram. Magnifique. Sur mon compte. Du coup, on a fait un live en mode de pulsion. Et ça s'est trop bien passé au final. Trop bien. Mon Insta, ils sont un peu timides quand même. Donc, mais bon, j'en ai jamais fait sur AS Coaching. Donc logique, ça paraît logique, ça vient pas comme ça. Et franchement, sur le TikTok d'Océane, c'était hyper cool parce qu'il y avait vraiment des gens qui s'intéressaient, qui posaient plein de questions. Le thème, c'était sport, habitudes quotidiennes, quotidien, équilibre de vie. Donc franchement, trop contente. Là, il est quelle heure? 22h13. Nous crevons la dalle. À la base, nous devions sortir. Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va aller manger. Et après, on verra ce qu'on fait. Donc, on continue ce vlog. À plus tard. Bon, les gars, du coup, c'est en promenant le chien de ma coloc, Lisa, que je vais vous quitter ce soir. Finalement, avec ma sœur, donc on a fini le live. Après, on a été manger, comme je vous disais. On a été manger au Burger King. Parce que, bah, en fait, on a mangé super tard. Bien plus tard que prévu. Et il n'y avait plus grand-chose d'ouvert à part ça. Pas trop loin. Et on était censé sortir, mais franchement, flemme. Grosse flemme. Les journées qu'on a sont assez chargées. Donc franchement, là, on va juste rentrer tranquillou. Je finis de promener le chien pour digérer. Et puis après, gros dodo. Demain, c'est dimanche, mais ça n'empêche pas que je vais devoir travailler un petit peu. Et surtout, j'ai d'autres choses à côté à gérer. Je vous embrasse fort. Du love. Ça commence bien. Mais c'est leur schéma qui est mal foutu, hein. Dis, le meuble, il sera monté dans 6h30, il faut pas. Ah, peut-être c'est toi. 5. Bingo. C'est sûr c'est la 5, ça? Personne n'a une visseuse. Bon, si c'est que des petits trucs comme ça et que tout s'associe facilement après, ça me va. Hein. J'en suis à où? À l'étape 3. Wouh! On a un petit peu avancé. Heureusement qu'on est deux, quoi. Je vais enfin avoir un beau bureau complet. Alors, vu qu'on n'a pas de marteau, le marteau, ça va être le tournevis. Hein. La délicatesse. Moi, je vous dis, faut pas la faire chier. Le tout, quand on fait ça, c'est de pas se taper les doigts, lol. J'ai trouvé. Two hours later. Ça sent la merde, non? Le tout, quand on fait ça, c'est de pas se taper les doigts. Et voilà le résultat. Donc, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà, je me suis fait un petit coin genre lecture où j'ai mis mes quelques bouquins ici. Mes affaires de travail, là-dessous pareil, toutes les pochettes de travail. Et voilà, on est bien. Je suis trop contente du résultat. Take my hand, take a breath, come me close and take one step. And with every step.
soir avec moi au travail parce qu'elle est fatiguée. Ça se voit, non? J'y crois encore. Il est quelle heure? 22h20, tout va bien, ma belle. Nous sommes plusieurs jours plus tard et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Spoiler alerte, le programme est sorti, le challenge est passé et tout s'est super bien passé. Restez pas loin puisque la prochaine vidéo parlera justement de tout ça. Je vous en dirai un petit peu plus sur tout ce qui se passe derrière Chamboule Girl. Ah, coucou toi, tu viens dire au revoir aussi? Pout, faut pas être pressé. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ce vlog. N'oublie pas, si tu veux me soutenir, de mettre le petit pouce. Je répondrai aux commentaires sous cette vidéo. Et puis abonne-toi si jamais t'as envie de soutenir mon travail et rester au courant de tout ce qui se passe par ici et la suite des événements avec Chamboule Girl. En tout cas, je t'embrasse fort. Beaucoup de love. Ciao. Et si je m'en sors, mais oui, on va s'en sortir. Semble encore. Ah, j'en ai un à cause de la danse. Être normal pour être bien. Effacer quelques lignes de ma vie.